Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une semaine après les routes de l'Oise. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Ou bonne journée, peu importe, mais en tout cas, bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo d'Intraville que tout le monde attend depuis un petit moment. J'ai reçu des messages, donc ça me fait plaisir de la commenter. Elle a été très longue à faire, donc voilà, c'est parti. Nous sommes actuellement à Intraville. C'est une commune qui est entre le Petit Co et Dieppe, donc à 20 km plus ou moins de la mer, d'accord. Il y a quand même pas mal de vent, donc c'est intéressant de voir comment ça va se dérouler, à savoir que cette course se déroule une semaine après les routes de l'Oise. Donc, voilà. Pour information. Ça part très vite, on peut voir qu'il y a beaucoup de coureurs. Alors, je regardais souvent ici, dans mon écran de droite, pour vous donner des informations. Donc, il y avait 75 km. 75 km à parcourir. Et à peu près, nous avons fait 1h50, plus ou moins. Donc, 75 km pour 1h50. Il y avait quand même pas mal de coureurs. Donc, je vais vous le dire, les équipes représentées. Il y avait les coureurs d'Anvermeuse, c'est les maillots bleus qu'on voit juste devant actuellement. Il y avait les coureurs de l'US Camon. D'ailleurs, c'est un pote. Salut à toi, mon pote. Il y a aussi le Ménilrome, il y a aussi Amiens Métropole, il y a aussi les coureurs d'Offranville, il y a aussi les coureurs de La Feuilly, et il y a aussi les coureurs d'Amiens. Voilà, donc assez intéressant. Et les coureurs de Doigts-Brélois qu'on peut voir devant aussi, et le VC Petit Co. Course très rapide, course avec beaucoup de vent, le vent est changeant, on peut voir que là il vient de notre droite. Il va aussi venir de notre gauche, il va venir aussi de derrière. Il va changer énormément. Tous les tours qu'on a pu faire, il a changé. Tous les tours qu'on a pu faire, il a changé. C'est une information importante, à savoir que là, le circuit fait plus ou moins entre 5 et 6 km. Voilà, entre 5 et 7 pour être un peu plus vaste. D'accord ? Ça roule à bloc, on peut le voir, je suis derrière les coureurs, on est tous en ligne. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, il y a deux coureurs devant, dont un coureur du cycloclub de Gournay-en-Bray, donc du CCGB, mon club. Notre club représenté ici, le Pays de Bray, avec bien sûr Guillaume qui est devant. Donc moi, je suis dans l'optique de ne pas rouler trop, je suis dans l'optique en tant que coéquipier de faire le travail d'équipe. Et nous sommes actuellement représentés par 4 coureurs au sein du CCGB. Donc il y a moi, il y a Guigui, il y a Maxime et il y a Antonio. Vous les connaissez tous, vous les avez tous vus à peu près dans nos vidéos. Et nous sommes bien sûr 4 représentés. Il y a aussi beaucoup de coureurs d'Anvermeuse comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup de coureurs de Amiens, il y a beaucoup de coureurs de Doigts-Brélois, il y a beaucoup de coureurs de Yvetot et du Petit Co. Donc, course tactique, technique et très intéressante. On va voir un coureur qui va me passer dans quelques secondes. Il s'agit du champion de Seine-Maritime. Le champion de Seine-Maritime, je l'avais marqué, sachant qu'il a fait des belles routes de l'Oise la semaine d'avant. Donc, je savais qu'il était en forme. Et moi, la forme commence à arriver par rapport à l'échappée que j'avais fait sur la dernière étape. Je savais que les jambes commençaient à arriver. Donc, le marquage était sur Corentin. D'accord? Florian. Corentin, c'est son frère. Voilà. Donc, c'est Florian. Salut, salut au frère d'ailleurs. Donc, Florian qui est avec moi, c'est le champion de Seine-Maritime. Il a récupéré Guillaume, il a fait le travail, mais moi, je suis dans l'optique, je suis coéquipier. On joue le travail d'équipe. Et là, j'en mets une. J'en mets une où je commence à me déployer énormément. Et je suis toujours en danseuse. Jusqu'à l'épingle, je me dis, jusqu'à l'épingle. Parce que, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un circuit en triangle. Donc, jusqu'à l'épingle, je suis en danseuse. Pour essayer de prendre un maximum d'avance, j'essaye pas de compter mes efforts, j'essaye pas de trop de regarder là, tu vois, j'essaye de, je donne. Là, faut partir, faut que je visse à mort pour essayer de créer un trou. Je commence à créer le trou, je vais le savoir dans quelques secondes, excuse-moi, je vais boire en même temps, mais je vais le savoir dans quelques secondes. À ce moment-là, je sais que j'ai pris de l'avance, parce que ils sont juste à côté de moi, ils sont à l'opposé, et je sais que j'ai pris de l'avance. Mon optique, enfin, dans mes pensées, je suis en train de me dire, il faut que ça sorte derrière. Donc je visse sans trop appuyer. Là, tu vois, je suis plutôt en train de gérer un petit peu mon effort par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Tu vois ? Donc là, je me dis, fais pas le con au juju. Il faut que tu gères un peu, il faut que tu fasses descendre un petit peu tes watts, ta fréquence cardiaque, enfin tout ce qui est, tout ce qu'on connaît dans le vélo. D'accord ? Donc je suis
Zanrou, je suis en train d'envoyer, mais pas tant que ça. J'espère que un coureur va venir derrière. D'ailleurs, on va le voir. D'ailleurs, on va le voir. Parce qu'il y a mon ami Anissé qui a filmé de l'extérieur. On va me voir de l'extérieur. Alors, la qualité d'image n'est pas super top. Mais on peut voir un petit peu comment ça va se dérouler. Il va revenir dans quelques secondes. Voilà, merci Anissé pour les vidéos. Et on peut voir que je suis devant avec le coureur de Anvermeu qui s'appelle Maxime. Maxime qui est avec moi, qui revient. Donc c'est un coureur d'Anvermeu. On peut voir que le peloton derrière est en file indienne parce que c'est en train de tirer. Bien sûr, il y a des coureurs échappés. Donc on essaye de faire du nécessaire pour les autres équipes qui sont représentées derrière. Et on peut voir que bah voilà, c'est très intéressant de voir un petit peu ce qui se passe au dehors de ma caméra. Donc Maxime est avec moi dans Vermeu, c'est un deuxième catégorie, je tiens à signaler, je suis en première catégorie. Et ce qui est bien, c'est en Seine-Maritime, ce qui permet de regrouper un petit peu les catégories, parce que quand on fait les routes de l'Oise ou les routes du Loiret, les rondes du Loiret, etc., etc., les 1 et 2 sont ensemble. C'est vraiment limite le petit... comment on pourrait dire ça? Le niveau est vraiment très limite, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart. Bon, il y en a un petit peu, mais c'est ça jauge. Il y a des bons deuxième catégories qui sont très forts. Maxime en fait partie. C'est un très bon deuxième catégorie qui est, je crois, monté en première. Et on peut voir qu'il a de la puissance dans les jambes parce qu'il est en train d'envoyer du lourd. Il n'est pas en train de se ménager. D'ailleurs, il est rentré sans moi. Et en même temps, il prend direct le relais. On voit qu'il y a une collaboration extrême là parce que on est obligé de collaborer. S'il ne collabore pas, c'est foutu. On se met dedans. À deux, on est là pour s'échapper. On est là pour faire une course, pour s'échapper et essayer de faire le meilleur résultat. Donc automatiquement, on collabore. On est deux clubs représentés. On est deux clubs devant. Ils me demandent le relais. Je vais pas passer tout de suite parce que j'essaie vraiment de récupérer de mon effort. J'ai du mal à récupérer un petit peu. Mais je vais passer parce que voilà, c'est le but. Donc là, je ne passe pas. Là, ils me demandent de passer. C'est pour ça qu'ils me regardent. Et voilà, je vais passer. Et on va rester un sacré moment devant. D'ailleurs, on va le voir. On va rester un sacré bon moment devant tous les deux. La voiture ouvre les devants. On est en train de creuser le trou. L'équipe derrière du cycloclub de Gournay-en-Bray, donc c'est-à-dire Antonio, Maxou, Guigui, sont en train de faire le travail derrière. Et aussi, l'équipe d'Anvermeu sont en train de faire le travail derrière. Donc si nos deux équipes bien représentées font le travail derrière, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça part, il y a un coureur de chez nous qui part derrière et qui prend pas de relais, bah automatiquement, c'est des attaques un peu mortes, quoi. Tu vois, c'est des pétards mouillés, on appelle ça, pour les autres équipes qui essayent de partir. Parce que elles sont rares, les coureurs sont rares et derrière à partir tout seul. Sauf Maxime qui a fait l'effort de partir tout seul pour rejoindre. Donc l'équipe derrière fait le boulot et Anvermeu fait le boulot. On va arriver à la ligne d'arrivée dans quelques instants. On va tourner à notre droite et là c'est le premier tour où mes enfants et ma femme vont me voir devant. Et ça, ça fait chaud au cœur quand même parce que tu te dis putain, là faut y aller mon pote. T'as les supporters, t'as toute ta petite famille, t'as les amis qui sont là, t'as tout le monde. On va le voir incessamment sous peu d'ailleurs. Merci à Enzo d'avoir filmé ces belles, ce beau petit film quand même. Parce qu'il a filmé de l'extérieur aussi, comme à Nice. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir voir un petit peu de... C'est bien, papa. Allez, papa. C'est bien, papa, c'est bien. C'est le coureur de Gournay en deuxième catégorie et en première catégorie. Vous. Le coureur seul, le coureur du vélo club du Petit Caux avec les consorts 71. Le coureur du Team Biker. C'est bien Guillaume, c'est bien Antonio, c'est bien Maxime. Le peloton. Donc, on a pu voir un petit peu les commentaires, un petit peu les choses qui se sont déroulées. Et on peut voir un petit peu, bah là on va arriver au deuxième passage, mais on peut voir que bah même Marie le dit, les coureurs de Gournay sont devant le peloton. Il y a un coureur qui essaie de revenir derrière, mais il n'est jamais revenu. Et on peut voir que notre équipe de Gournay fait le travail. Et ça donne les frissons encore aujourd'hui. Ça donne les frissons parce que c'est ça une équipe. Et c'est ça qui est extraordinaire les gars. Deuxième passage. Toujours en tête. 25 secondes d'avance, on va pouvoir entendre le speaker de la course. 25 secondes d'avance, on creuse pas tant que ça, c'est normal, derrière c'est en train de rouler quand même, mais on est toujours devant. Deuxième passage les enfants.
Le coureur allez, papa, allez, papa, allez, papa, allez. Le cycliste en vermedoise. Allez, papa, le allez. Top chrono. Le 6 et le 75. Le 75, Guérin Maxime de l'Union cycliste en vermedoise en deuxième catégorie. Et le peloton, eh bien, peloton groupé. Regardez, 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 regardez-les. Regardez-les, les clubs. C'est bien, Guillaume, c'est bien, Maxime, c'est bien, Antonio. Deux têtes sont passées et le peloton, eh bien. T'as vu ça? L'équipe devant. C'est top quand c'est comme ça. On va arriver au troisième passage. Troisième passage toujours avec 25 secondes d'avance. D'ailleurs, on va le voir. Ça va se réduire un petit peu sur ce tour-là. Je crois qu'on va arriver avec 15 secondes d'avance. On va voir sur cette ligne d'arrivée, on va avoir 15 secondes d'avance à peu près. Parce que c'est en train de rouler derrière. D'ailleurs, il y a un coureur qui essaye de s'échapper. Et pas des moindres. On va le voir ensemble. Donc tu vois, c'est quand même intéressant. Il commence à avoir du monde. Sur le bord de la route, donc c'est superbe. Il y a des coureurs déjà qui ont abandonné parce que ça roule très vite, on roule très vite. Hein. Là, on est en train de rouler très vite. Hein. Que ce soit derrière ou même nous, on est en train de rouler trop vite. Il reste 8 tours. Eh bien oui, voilà, toujours nos deux coureurs. On continue tout à l'heure 25 secondes d'avance. Allez, c'est bien, papa, allez, 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 allez. Maxime Guérin. Excusez-moi en même temps, c'est comme si j'étais en direct avec vous et c'est ça qui est super parce que j'essaye pas de prendre de faire de coupure, je vais pas faire de coupure, je vais rester le plus naturel possible et c'est ce que j'aime. Voilà, donc là 7 tours, 4ème passage. Là j'ai filmé le quand il passe, donc là j'ai le temps là. Voilà, Florent Levasseur, coureur d'Ifto. On peut voir que le coureur d'Ifto, dans ce petit passage de vidéo, est revenu sur nous. Que tu as vu tout à l'heure, le coureur qui était derrière nous, c'est Florent. Hein. Florent, du coureur, le coureur d'Epto qui est très très fort aussi. Lui, il est revenu tout seul, il a bouché le trou. On se retrouve à 3 devant. Et comme, t'as vu, comme Fort Boyard. À 3 devant. Et là, pour moi et Maxime, qui sommes échappés depuis le début, ça nous fait vraiment, mais vraiment du bien d'avoir un autre coureur. Alors, savoir que Florent, quand il est arrivé, il nous a rejoint, il a envoyé du pétard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est rentré, lui, il a vissé un peu. Le problème, c'est que... Oh, deux. Adam est sorti tout à l'heure. Eh bien, ah, il est là. Le Levasseur accompagne Julien Desson. Allez, papa, allez. Allez, 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 papa, allez. Maman, il est rentré. Ben oui, mais oui, c'est... Après, voilà, c'est pas... deux ouais, coureurs de première catégorie et un coureur de deuxième catégorie. Oui, et là, l'écart a grandi. C'est ce que je disais à une meuf, au moins il se retrouve à 3. C'est mieux que 2 déjà. Ok, c'est pas, il va gagner, t'inquiète pas. Raphaël, viens ici. Ah, pas au bord de là, pas au bord de la route. Voilà, la voiture rose, les gars. Ah, voilà, ça commence à s'étirer. Oh. Ouais. 3 devant. 3 devant, ça commence à tirer, les mecs, c'est normal. Allez, Maxime, allez, allez. Maxime, fallait qu'il prenne les roues. Ah, ça commence à être enfilé, ça, on voit là. Il y a quand même pas mal d'abandon sur Guillaume. Cette course. Voilà, donc on peut voir un peu le groupe hein, qui est constitué à peu près de 6 coureurs, dont moi-même. Et on peut voir que là, c'est parti maintenant. Je suis en train de m'alimenter au moment où Anissé me filme. Et on peut voir que le peloton est derrière. Voilà, le peloton est derrière. On peut voir que Guigui est en deuxième position. On peut voir que voilà, Maxou est là. Donc c'est très intéressant pour nous. Pour moi, l'équipe Antonio est là aussi. Et on peut voir que Guillaume était devant aussi, toujours dans les 2-3 premières positions pour protéger l'équipe. Nous sommes 6 maintenant. C'est rentré derrière. Donc, attention. Attention, parce que là, il y a du beau monde. Je vais vous dire les coureurs qu'il y a ici. Ils sont 3 de Envermeux, dont le champion de Seine-Maritime qui a le maillot, bien sûr. Donc, ils sont 3 d'Envermeux. Donc là, c'est un coureur qui fait partie du cœur de Terre de Caux, donc juste à côté. On peut voir que le champion de Seine-Maritime, Florian, qui lui est bien sûr d'Envermeux aussi, les maillots bleus, hein, c'est le même maillot. Hein. Donc deuxième d'Envermeux qui est Maxime, et le troisième d'Envermeux qui est un autre coureur qui s'appelle Léo. Voilà, donc on a deux Florian, on a Off Florian qui est devant, on a Florent, on a Maxime, on a Léo. Et on a moi-même.
et Laurent. Excuse-moi. De l'arrière. Voilà, il reste peu de tours. Florian Blochel de l'Union Cycliste en Hermedoise. Nous avons. Sans rentrer, hein, sans rentrer. Allez, papa. Il y a Maxime Guérin, il y a Desson Julien, il y a également Florent Levasseur. Et par contre, le troisième, je n'ai pas eu son dossard. Là, ça y est, ça creuse, hein, je vais pas te mentir. À deux, on a essayé de tenir à peu près 15, 20, 25 secondes, 30 secondes maximum. À trois, on a un peu plus creusé. Et là, bah là, ça... Ça a pris de l'écart parce qu'on s'entend bien devant. Derrière, c'est que des attaques. Donc, réellement, et bah, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. Parce que c'est pas linéaire, quoi. C'est pas toujours à la même vitesse. Tu vois ? Allez, Maxime. Et on a Maxime, Antonio, Guillaume, allez, Guillaume qui sont en train de faire le travail derrière, toujours. Ah, il y a eu pas mal d'abandons, là, entre deux. Encore un passage. Toujours en train de... À deux rouler ensemble. Toujours une bonne entente. Alors c'était dégagé, il faisait 21 degrés, 50% d'humidité, hein. Et le vent était de 20 km/h pour information. Voilà, j'ai toutes les informations, je peux vous les donner. Il y avait 21 degrés et il y avait 20 km/h de vent. Et le vent était assez changeant. Voilà, donc toujours en train de prendre les relais, hein. Nous sommes dans une... Il n'y a pas d'attaque. Et c'était pas moi de lancer les attaques. Bon, malheureusement, la caméra s'est éteinte après parce que on va pour voir un petit peu ce qui s'est passé à la fin, malheureusement. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'avoir pu louper la fin parce que j'étais tellement dans le move et tellement. On va la voir l'arrivée par Enzo, mais j'étais tellement dans le move et tellement dans le truc que j'en ai oublié d'éteindre la GoPro parce que la GoPro elle a une. Allez, papa, allez. Elle a une limite, tu vois. Et au bout d'une heure vingt, elle s'est coupée. Un rouge. Il restait 20 minutes de... Oui. 20 minutes de course, elle s'est coupée malheureusement, mais je vais te raconter ce qui s'est passé et on va pouvoir voir quand tu vas voir les vidéos de Enzo. Ça va être intéressant. Donc, là on atteint la minute, hein. Maxime. Ouais, il gagne, mais... Eh bien, ça s'est creusé, voilà. L'échappée, il va au bout, hein. L'expression de notre JPP, la messe est dite. Ils arrivent. Donc, tu peux voir que là, là le trou est fait, hein. Il y a une bonne minute, voire plus. Il doit avoir une minute, hein. Et exactement, Enzo. J'ai mis une chance. Voilà, la messe est dite, comme dirait JPP, comme nous a dit notre commentateur préféré. Allez, Antonio, allez. Voilà, là-bas, là, c'est foutu. Là, là, tu vois que toujours cette collaboration entre nous. Et moi, je me dis, là, c'est là où je me dis, ils sont trois dans Vermeux. Tu les vois, les trois. Donc, le maillot vert fait partie, hein, c'est le champion de Seine-Maritime, c'est leader de genre du... C'est leader du challenge de Seine-Maritime parce qu'il y a un challenge en Ufolet pendant Seine-Maritime. On marque des points un petit peu comme la Coupe du Monde de l'époque, si tu veux, dans toutes les épreuves qu'il y avait, comme les Jeux Nationaux, Paris-Roubaix, etc. C'est-à-dire que chaque course de la Seine-Maritime compte pour le challenge. C'est-à-dire qu'on marque des points, d'accord ? On marque des points. Donc voilà, il y a un challenge aussi de toute l'année en Seine-Maritime, c'est ça qui est intéressant. Donc il est leader du challenge de Seine-Maritime, il est champion de Seine-Maritime et ils sont trois dans Vermeux. Donc... Je me dis, j'ai toujours cette dans cette tête où je me dis, Florian, c'est le plus fort. Le champion de Seine-Maritime, c'est le plus fort. Donc, je n'ai qu'à le marquer, lui. Je vais pas te mentir, je suis épuisé depuis le début. D'accord ? 75 km devant, allez, 73 parce que je t'en retire deux, mais 73 km devant à deux, enfin, 60 km devant à deux, c'est énorme. Et après, on a fait une vingtaine, enfin, on a fait... Non, je crois qu'on a fait 50 km devant, si je me trompe pas. Et après, tu fais le reste. Hein. Là, tu vois, ça commence. T'as vu ? C'est ce qu'il a fait, Florian. Il commence à te dire... Allez-y ! Ça prépare. Ça sent le roussi, hein. Ça sent le roussi, mais t'as vu, je suis pas passé, moi.
Parce que je commence à savoir que ça sent le caca là. C'est plus les relais fluides, c'est des relais un peu en dedans. Tu le vois de toute façon, c'est plus c'est pas beau. Allez, second passage. Et donc, pour répéter ça, c'est que c'est pas moi de faire l'effort. Ils sont trop envermeux, je sais très bien qu'ils vont m'entasser. C'est-à-dire que je vais t'en sortir, à moins d'être le plus fort, mais je suis usé. Déjà, je commence à être un peu mort. Dernier tour. Et malheureusement, dans le dernier tour, la caméra... Normal. Voilà. Mais au goujon, dernier tour, messieurs, dernier tour. Ouais, papa, allez. Papa, allez. Ouais. Et voilà, une attaque. Allez, suis, papa. Voilà. Papa, il suit. Il même il est reparti devant papa. Non, il y a le orange et le vert. Mais non, papa, il a gagné. Non, c'est pas encore fini, c'est le dernier tour. Comment ça? Parce que c'est un tour. Ah, ils veulent partir. Hein, ton frère? Ah ouais. Il part pas. Les deux sont partis. Top. Je suis sorti avec Florian, papa, mais. Papa, il est parti. Je me suis fait avoir. Après, je vais t'expliquer pourquoi. Papa, il est parti, je crois. On va laisser finir cette vidéo. Si, il est parti, de Enzo. Avec lui. Il est parti, sont partis les deux. Dernier tour, messieurs, dernier tour. Allez, hey, Guillaume, allez, Maxime, allez, Antonio, allez. Donc voilà, arrivé. On va voir. Donc je vais mettre une pause quand même. Je vais mettre une pause parce que je tiens à la mettre, la pause. Vu que tu n'as pas vu la fin de ce qui s'est passé. Donc. Le dernier passage que tu as vu, il y a Florian qui attaque à droite, le maillot de champion de Seine-Maritime. Je prends sa roue et je me fais contrer. C'est-à-dire qu'il part après à deux. Mais je suis en troisième position. Et donc, il y a Laurent, si je ne me trompe pas, le maillot bleu de Terre de Co, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a Florian devant et il y a le coureur Difto, le maillot orange, le Florent, qui nous a rejoint quand on était à trois. D'accord ? Ils sont partis à trois, mais moi, je suis en chasse patate. C'est-à-dire que Maxime et Léo, ils sont derrière moi. Je suis en chasse patate et je n'arrive pas à reboucher ce trou. Je suis toujours à 100 mètres, 200 mètres, j'arrive pas à reboucher ce trou. Je n'arrive pas à rentrer. Donc, je suis dans une... J'arrive au bout, quoi. J'ai l'acide lactique qui monte. Enfin, j'ai tout qui pointe, quoi. Là, je suis à mort, quoi. Je commence à être un peu foutu. Et je me dis, je veux pas lâcher, quoi, comme ça. Donc, dans la tête, c'est mental, quoi. Ça devient mental. Et je suis toujours à cet écart. Mais je vois que dehors, devant, ça flingue. C'est-à-dire que Florian est très fort à ce moment-là. Le champion de Seine-Maritime, c'est qu'il en a mis, je sais pas combien de mines il a mis, je peux pas te dire comme ça, mais j'en ai vu pas mal de loin, et je peux vous dire qu'il les a, que ce soit Florent ou Léo, ou Laurent, donc Laurent ou Florent qui était avec lui, il les a atomisés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a fait plusieurs attaques, c'est un peu un grimpeur, hein, Florian. Et donc, il les a atomisés comme ça. Et moi, j'ai jamais pu revenir. Parce que ça, j'arrivais pas à garder ma cadence assez haute. J'aurais pu le faire si j'avais pas fait ces attaques depuis le début. Enfin, c'est échappé, mais bon, on n'a rien sans rien. Donc voilà. Et là, on arrive pour l'arrivée. Donc, j'arrive avec Maxime et Léo dans Vermeux. Parce qu'ils m'ont pas aidé, malheureusement. Bah, et c'est normal. Il y a Florian qui est devant, qui est représentant de leur équipe. Donc, travail d'équipe obligé, hein, automatiquement. Et donc, ils n'ont pas travaillé avec moi pour revenir sur le groupe de trois devant. C'est le jeu. Je me suis super bien amusé. J'ai repris confiance en moi sur cette course-là. Je te laisse découvrir la fin. Qui est très intéressante. Et on regarde ça ensemble. Ah, oh. Bon, Enzo est énervé parce que il veut que ce soit moi qui gagne. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de méchant. Et deux coureurs qui ont l'habitude de courir ensemble au fond de la monte avec Florent Levasseur et Laurent Delaunay. Cool, Denis, hein. Donc il ne reste plus que Maxime. Parce que ma fille a dit que je gagnais pas la course. Et ma fille a le don de. Léo Goujon. Voilà, moi j'arrive tranquille. Voilà. Ils m'ont laissé faire quatrième, Maxime et. Maxime et Léo. Super, c'est merci bien, les papa. Gars. Maxime Guérin pour l'une des deuxièmes catégories. Et Léo Goujon, il termine. Ils sont là. Hein. Voici la voiture qui annonce l'arrivée du peloton. Chou.
Voilà un petit peu, donc là l'arrivée avec Antonio, Guillaume, Maxime. Ça c'est le frère de Florian. Qui est arrivé là. Deux bons coureurs. Hein. Ensuite, c'est un garçon qui va essayer de tout avoir. Corentin. On a fait de l'église. Là, c'est une semaine après les routes de l'Oise, comme ça, normalement. Là, tu récupères en semaine. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait, moi. Une semaine après. Ah ouais, t'as la patate. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas roulé hein, cette semaine, j'ai fait que de la récup. Ouais, voilà. J'ai fait deux sorties récup où je me suis amusé. J'ai fait une sortie avec Enzo, je crois, non? Oui. Ouais, où il est tombé derrière. Et puis la hier avec toi, jeudi avec toi, tranquille, on est chercher la voiture. Enzo. Il a fait un roulé-boulé dans le champ, l'autre. Je te jure. Ah bon, Enzo, première chute. Bon, ouais, t'es cherché son portable dans le champ. Cranvier, t'étais encore dedans. De la première étape, on était dedans. La deuxième étape, formée, on est encore dedans. Tu prends la caisse, donc automatiquement. Tu fais une semaine de récup. Le lundi, le dimanche, t'es bien. Tu veux un coca? J'étais affûté là. Après les routes de l'Oise, j'étais affûté. Hein. Goujon, Léo. Hein, tu trouves pas que j'étais affûté quand même? Merci à l'équipe, au club de Petit Côte. J'espère qu'il reviendra, qu'il y aura une reprise de ce club parce qu'ils ont toujours fait des belles courses. Et je remercie Philippe qui est là avec nous, qui est en train d'écrire avec son stylo parce que c'était un très bon président. Malheureusement, il arrête la présidence. Mais voilà, j'espère que le club pourra être suivi. Et là, nous avons reçu le prix, un prix d'équipe, en gros, on peut dire ça. C'est le prix d'équipe, d'ailleurs. Donc, merci hein, d'avoir fait ce bon résultat. Voilà, surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et puis, moi, je te retrouve très rapidement pour la suite des aventures sur cette chaîne. N'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Strava, que ce soit TikTok, Instagram. Moi, je te dis à bientôt. La bise, les potes. Ciao.